Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. Il est 12h05 en direct sur Sud Radio, soyez les bienvenus, les débats de l'été, comme chaque jour de midi à 13h30, avec l'actualité, nos invités, et bien sûr, Aude aujourd'hui au standard 0826 300 300. N'hésitez pas, chers auditeurs, bien évidemment, vous savez que vous êtes chez vous, la ligne est ouverte. Au sommaire de cette émission, l'enquête sur la disparition du petit Émile entre dans une nouvelle phase. Les équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains appuyées par des drones ont été déployées depuis ce matin à Vernet. Que peut-on attendre de ces recherches? On en parle dans quelques instants avec un spécialiste. Une invitation qui crée la polémique. Le rappeur Medine participera aux journées d'été des écologistes au Havre le 24 août prochain. L'artiste controversé échangera notamment avec la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier. Gilles William Goldnadel sera notre invité, nous dira pourquoi c'est devenu le choc. Avion, viande, doit-on changer nos habitudes pour moins impacter le climat? 4 Français sur 10 se disent prêts à se restreindre en termes de vol. La viande est honnie par Sandrine Rousseau, notamment pour sa responsabilité dans les feux de forêt. On en débat à 12h30 avec nos invités. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. Et tout de suite, c'est la chronique de Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Dans quel monde on vit? À San Francisco, les relations sont à couteau tiré entre la ville et Elon Musk, le propriétaire de Twitter devenu X. Oui, nouvel épisode, le service d'urbanisme a fait retirer le X géant du toit du bâtiment, juché sur le siège de l'ex-Twitter devenu X. Cette enseigne géante, ce X, était trop éblouissant. Les débats de l'été Sud Radio. Voilà, San Francisco s'allume. Le propriétaire de l'édifice devra payer les frais pour les permis de construire qu'il aurait dû obtenir et pour les frais d'enquête, précisent les services d'urbanisme de San Francisco. Un représentant de X avait refusé, figurez-vous, l'accès au bâtiment à un inspecteur il y a quelques jours. Sauf que, eh bien, la nuit, la structure s'animait d'un jeu de lumière vive, mais alors vraiment très vive, puisque les habitants s'en étaient pleins. Ils n'arrivaient tout simplement pas à dormir, ils étaient éblouis. Décidément, cette transformation de Twitter en X n'est pas une formalité. Déjà, la semaine dernière, les services de la ville sont intervenus quand des ouvriers ont commencé à enlever les lettres de l'ancien nom sur la façade du bâtiment, car les travaux étaient non déclarés. Alors forcément, avec tout ce rififi entre la ville démocrate et l'encombrant locataire, eh bien, la question d'un déménagement est désormais sur la table. Ce n'est plus un tabou. Beaucoup de personnes nous ont fait des propositions alléchantes pour déménager le siège de X hors de San Francisco, déclare Elon Musk sur le réseau social. D'autant que la ville est engagée, dit-il, dans une spirale tragique où les départs d'entreprises se succèdent. Mais nous ne partirons pas, assure-t-il. En tout cas, c'est ce qu'on verra. Ouais. Selon l'une des plaintes déposées par d'anciens salariés de Twitter, Elon Musk aurait clamé dans le siège « Il faudra me passer sur le corps pour que je paye le loyer ». Toujours selon ce même document, son avocat a déclaré que les propriétaires des locaux ne devaient pas s'attendre à recevoir un loyer alors que San Francisco, je cite, est une ville de merde. Ah bah écoutez, nous ambiance. On aime beaucoup San Francisco. Voilà, merci Félix Mathieu, merci, à tout à l'heure. Les débats de l'été Sud Radio. 12h08 en direct sur Sud Radio. L'enquête sur la disparition du petit Émile entre donc dans une nouvelle phase. Les équipes cynophiles, appuyées par des drones, ont été déployées ce matin au Vernet, où le petit garçon a disparu, je vous le rappelle, le 8 juillet. Ces nouvelles recherches vont durer jusqu'au 29 juillet. Enfin, c'est-à-dire, voilà, là, elles se sont achevées, en tout cas la première partie, et elles recommencent ce matin. Nous sommes en direct avec Marc Roland, capitaine de gendarmerie, porte-parole de l'Association professionnelle nationale militaires, gendarmes et citoyens. Bonjour Marc Roland, merci d'être avec nous. En quoi consiste cette nouvelle phase de recherche? Eh bien, on s'inscrit toujours dans la recherche active et opérationnelle sur le terrain de notre petit Émile, avec des moyens toujours abondants. En l'espèce, une nouvelle fois, l'engagement de chiens spécialisés dans la recherche de restes humains, osons le mot, dans la recherche de corps en décomposition, malheureusement. C'est la procédure habituelle, si j'ose dire. Disons que c'est une chose cohérente. On a engagé à deux reprises déjà des chiens de recherche, des chiens de piste, avec des chiens issus, je dirais, du cadre commun. Puis nos chiens Saint-Hubert, qui présentent des capacités olfactives supérieures, qui ont été engagés en seconde vague. Et malheureusement, maintenant, on aborde une phase autre, celle de rechercher non pas un corps
ou un petit garçon vivant, mais plutôt la dépouille d'un petit garçon. C'était pas le cas du tout avant ? Avant, les chiens recherchaient la vie. Oui. On recherchait quelqu'un de vivant, quelqu'un d'égaré. Aujourd'hui, malheureusement, l'hypothèse qui est retenue à ce stade des investigations sur le terrain, c'est celui de rechercher quelqu'un, malheureusement, de décédé. Qu'est-ce que ça dit de l'enquête ? Enfin, vous venez de le dire, malheureusement, mais ça veut dire qu'il n'y a plus aucun espoir ? Disons que sur le terrain, d'une lecture purement terrain, l'espoir de voir un enfant survivre dans des conditions naturelles telles qu'on les connaît dans ce secteur moyen montagneux laisserait plutôt une hypothèse mortelle dans le contexte qu'on connaît. Par rapport aux recherches qui ont été engagées auparavant, il y a eu plusieurs phases, hein, bien évidemment, dont la troisième qui s'était achevée, hein, le 29 juillet, d'où la petite erreur de date tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va changer finalement ? Parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup cherché. On en parlait avec vous il y a deux semaines. Tout à fait. Alors, on retiendra quand même que l'enquête aujourd'hui est toujours ouverte pour des disparitions inquiétantes. Aujourd'hui, on ne cherche pas forcément quelqu'un de vivant. On cherche au moins une dépouille, mais surtout on cherche les causes de cette disparition inquiétante. Et en cela, une enquête est ouverte dans le cadre d'une information judiciaire dont le pilotage n'est pas assuré par le parquet, par le procureur, mais bien par un pôle de deux juges d'instruction à Aix-en-Provence. Les moyens sont importants, les moyens judiciaires, les moyens matériels sont présents, s'organisent dans la durée pour une seule hypothèse, celle de retrouver des éléments probants pour identifier ou découvrir ce petit garçon. Où est-il ? Que lui est-il arrivé ? Alors le 18 juillet, le procureur Rémi Avon disait « Toutes les pistes restent envisagées, aucune n'étant ni exclue ni privilégiée ». Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, clairement, Marc Rolland, toutes les pistes peuvent être envisagées encore ? Toutes les pistes sont envisagées, si ce n'est que d'une lecture purement procédurale, d'une lecture purement judiciaire, on n'est pas du tout sur un vecteur criminel ou délictuel, on est bien sur la thèse d'une disparition inquiétante, donc d'ordre public, sur un support judiciaire, mais en l'absence d'infraction clairement établie. Qu'est-ce qui dit que ce petit garçon n'aurait pas été enlevé et éloigné de cette zone ? Rien ne le dit, justement. On ne peut pas écarter l'hypothèse ou l'action d'un tiers ou deux tiers au pluriel malveillante. En tout cas, pour l'heure, aucune piste n'est écartée, si ce n'est la thèse d'un acte criminel, puisque, je le rappelle, l'information judiciaire n'est pas ouverte pour un fait de soustraction, d'enlèvement ou de séquestration. On n'est pas dans la théorie du complot, bien évidemment, mais tout simplement, pour les besoins de l'enquête, est-ce que clairement on nous dit tout ? Parce que deux juges d'instruction, vous l'avez dit, ont été saisis, ils ont épluché des milliers d'éléments. Est-ce que à cette heure, ils en savent plus, eux ? En tout cas, ce que je souhaite, c'est que nous autres citoyens du quotidien ne sachons rien. Parce que la pérennité, la sécurité et la performance d'une enquête judiciaire est également alliée au secret de celle-ci, dont les dispositions sont d'ordre public, dans le sens juridique du terme, avec un article 11 qui rappelle qu'en France, l'enquête judiciaire est écrite, elle est secrète et elle est non contradictoire. C'est parfois justement nécessaire, ce secret, pour bien préserver l'enquête et la faire avancer. Il est nécessaire, il est utile, à la fois pour la performance, pour le résultat, pour le succès de la manifestation de la vérité, mais également pour l'équité du procès pénal, si procès pénal il devait y avoir. Mais je rappelle quand même que depuis peu, les autorités judiciaires peuvent communiquer dès lors que les informations sont de nature à, entre guillemets, rassurer le public sur l'état d'avancement d'une procédure judiciaire. Alors c'est une enquête qui a démarré avec deux témoignages fondamentaux, celui de deux personnes qui ont dit avoir vu Émile ce jour-là de la disparition. Est-ce qu'il arrive parfois qu'il y ait tout simplement de faux témoignages, pas forcément de mauvaise foi, mais des témoignages pas fiables ? Alors justement, le changement d'envergure, de portage d'enquête judiciaire, initialement enquête ouverte pour des faits de disparition inquiétante dans le cadre d'une enquête de flagrance, maintenant dans le cadre d'une enquête sous commissaire rogatoire, la valeur juridique du témoignage initial a valeur de simple renseignement. Désormais, la valeur ajoutée, c'est le fait, dans le cas où la mauvaise foi est avérée, les intéressés auditionnés dans le cadre de cette nouvelle procédure risquent d'encourir des peines délictuelles jusqu'à 5 ans d'emprisonnement en cas de faux témoignage prêté sous serment devant un officier de police judiciaire. Marc Rolland, après on peut parfois témoigner de bonne foi, tout simplement le cerveau joue des tours. Ça arrive aussi dans les enquêtes. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'une infraction judiciaire est construite sur trois thématiques. Un élément légal,
ce que la loi prévoit, ce que la loi interdit, un élément matériel, ce que vous faites par omission ou commission, et un élément moral, ben c'est l'accident, c'est l'erreur, c'est l'excuse qui fait qu'on a voulu faire ou ne pas faire, intentionnellement ou pas intentionnellement, une infraction. Il y a des affaires, malheureusement, des précédents, l'affaire Grégory, on n'a jamais su. Est-ce que... on suit ce chemin-là, selon vous? Écoutez, moi, j'ai bon espoir avec la performance des moyens techniques, des outils scientifiques et des formations humaines et individuelles des enquêteurs, à ce qu'on arrive tout de même à une hypothèse, je dirais, la moins défavorable possible. Dans le temps, on travaille avec des outils de l'époque, et je rappelle quand même que tous ces dossiers malheureux que vous venez d'évoquer sont toujours exploités dans le cas de procédures toujours ouvertes et en cours. Merci beaucoup, capitaine Marc Roland, capitaine de gendarmerie, porte-parole de l'Association professionnelle nationale militaire, gendarmes et citoyens. Merci d'avoir été avec nous. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. 12h31 en direct sur Sud Radio, merci de nous rejoindre. N'hésitez surtout pas à réagir à l'actualité. 0826 300 300, c'est l'heure du face-à-face. Vous voulez peut-être y participer. Avion, viande, les Français doivent-ils vraiment changer leurs habitudes pour réduire leur impact sur l'environnement? Concernant l'avion, selon une étude qui vient de paraître, CSA, 4 Français sur 10 sont favorables à la proposition d'un quota de 4 vols par personne dans une vie, imaginé par l'ingénieur Jean-Marc Jancovici. Sur la viande, en revanche, les chiffres viennent de tomber. Sa consommation totale par habitant a légèrement augmenté en France en 2022. On en parle avec Lucille Schmitt, vice-présidente de la Fabrique écologique. Bonjour. Bonjour. Lucille Schmitt, merci d'être avec nous. En face de vous, Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM. Bonjour Flavien Neuvy, merci d'être avec nous. Donc on le disait, consommation de viande en légère hausse pour la deuxième année consécutive, plus 0,8% sur un an du volume consommé. Ça fait à peu près 0,5% en moyenne d'habitants. Ça vous évoque quoi, Lucille Schmitt? Ça m'évoque évidemment un attachement en termes d'alimentation et peut-être de savoir-faire français à la viande. Ça m'évoque aussi le fait que le sujet, c'est la viande de qualité. C'est-à-dire qu'on sait qu'on apporte par exemple 50% du poulet qu'on consomme, et on sait que le sujet de la viande de qualité, elle est vraiment associée au modèle écologique. C'est-à-dire qu'il faut différencier entre les manières d'élever les animaux et que ce qu'on appelle l'élevage intensif ou productiviste plutôt, par rapport à l'élevage, un élevage de qualité qui, par rapport à la souffrance animale, par rapport à la qualité de la viande, par rapport à nos paysages aussi, est quelque chose auquel nous sommes attachés. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait autour du consommer de la viande, autour de l'alimentation, qui sont à la fois l'organisation d'un marché mondial. La France est une grande puissance d'exportation mondiale, il y a de l'agroalimentaire. Donc renoncer à ces positions, c'est compliqué, mais l'agroalimentaire, c'est pas toujours, et c'est même, je ne sais pas si je vais dire jamais, non, sûrement pas jamais, mais en tout cas, ce n'est pas toujours synonyme de qualité. Et donc, le sujet, c'est comment est-ce qu'aussi les milieux populaires peuvent accéder à cette alimentation de qualité. On ne va pas rendre tout le monde vegan, mais si on peut s'arranger pour que la viande qu'on consomme soit une viande de qualité et qu'on en consomme moins, je pense que ça, c'est bon pour la planète et c'est bon aussi pour notre santé. Je voudrais rappeler le plan d'alimentation nationale, il dit qu'il faut consommer 500 grammes de viande par semaine, qu'aujourd'hui, on est au-delà de ça pour beaucoup de Français, mais que c'est une viande de qualité et que ça, aujourd'hui, on s'éloigne peut-être de ce genre de choses parce qu'il y a un sujet de croissance des inégalités sociales. Vous avez un discours plutôt nuancé. En tant qu'écologiste, vous ne souhaiteriez pas, dans un monde idéal, que les gens s'arrêtent forcément de manger de la viande? Je souhaite... Écoutez, je pense que j'ai un discours nuancé parce que je souhaite être réaliste. Je pense que ce qui est important, c'est évidemment que chacun se dise qu'il doit manger moins de viande, que chacun se dise qu'il doit, s'il le souhaite, arrêter de manger de la viande, et que là-dessus, le sujet, c'est comment est-ce qu'on adosse des contraintes de comportement et individuel à des politiques publiques. On voit bien que lorsque la Cour des comptes, en mai 2023, a dit qu'on subventionnait trop l'élevage, il y a eu une espèce de levée de bouclier, une sorte de guerre qui a commencé, qui était une sorte de guerre culturelle. Je pense que le sujet de sortir de la guerre culturelle, mais avec des positions volontaristes du gouvernement, de ceux qui sont dans la politique et qui, au fond, aident les agriculteurs, par exemple, qui sont éleveurs, à progressivement avoir la capacité à faire de l'élevage de qualité. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on élève, il y a des espèces de répartition des tâches entre ceux, par exemple, qui
dans le Charolais, ont des jeunes veaux qui ensuite vont être transportés en Italie pour être engraissés dans des feedlots avec de l'agriculture intensive. Comment est-ce qu'on fait pour remettre en cause cette espèce d'organisation des tâches qui aboutit au fait que la viande n'est pas de qualité, que d'une certaine manière on va contre le bien-être de la planète, parce que on le sait, en fait, beaucoup de surfaces sont déforestées, par exemple avec les tourteaux de soja au Brésil, on déforeste l'Amazonie pour nourrir le bétail. Donc tout ça, ça implique à la fois des raisonnements locaux, des raisonnements de politique publique, et puis des raisonnements à l'échelle internationale. Il faudrait aussi mener des négociations internationales de façon à remettre en cause ce modèle productiviste à l'échelle mondiale. Alors Sandrine Rousseau, elle est, comme souvent d'ailleurs, on ne fait pas injure en disant ça, et beaucoup moins modérée que vous, Lucille Schmitt, puisqu'elle dit, en substance, la consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, en Grèce, en Arizona. Bref, se prendre en photo tout sourire avec un morceau de viande aujourd'hui, c'est cracher, dit-elle, à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur. Flavien Nevy, ça vous inspire quoi, ce discours de Sandrine Rousseau, mis en perspective par justement Lucille Schmitt? Ben, je préfère largement les propos que je viens d'entendre, parce que effectivement, en fait, il y a plusieurs dimensions derrière cette alimentation, en fait, parce que c'est même pas que la viande, c'est l'alimentation au sens général. D'abord, effectivement, il faut rappeler qu'en France, on a la chance d'avoir des filières d'excellence avec des agriculteurs, des éleveurs qui font très bien leur métier. On importe beaucoup de viande, et en particulier de la volaille, comme vous venez de le dire. Et quand on regarde les chiffres, c'est plutôt la consommation de volaille qui augmente sur ces dernières années. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les dépenses alimentaires dans le budget des ménages, c'est le deuxième poste de dépense après le logement, au coude à coude avec la mobilité. C'est-à-dire que les ménages français, en moyenne, attention, c'est important, en moyenne dépensent autant pour se nourrir que pour se déplacer. Sauf que derrière cette moyenne, il y a de fortes disparités. Les ménages modestes, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, dépensent beaucoup plus en pourcentage d'argent pour se nourrir. En moyenne, c'est 15% des dépenses, mais sur les ménages modestes, ça peut monter à 20, 22, 23% des dépenses. Et donc, évidemment, pour ces ménages-là, on rejoint la question de la qualité, c'est très difficile, parce que boucler les fins de mois, c'est difficile, c'est très difficile d'aller vers des produits de qualité qui sont, par définition, plus cher. Donc toute la question, effectivement, mais une fois qu'on a posé la question, encore une fois, on n'a pas la réponse. Toute la question, c'est de savoir comment on peut permettre aux ménages, au plus grand nombre, de pouvoir consommer des produits de qualité, plutôt produits en France, sachant que ça coûte plus cher. Mais au final, c'est vrai que globalement, on voit que, notamment chez les jeunes, il y a quand même une prise de conscience qui se fait sur une volonté de mieux consommer, de consommer plus responsable. Et derrière cette meilleure consommation, bah, il y a l'idée de consommer un petit peu moins de viande chaque année. Alors ce qui frappe aussi dans cette étude, c'est que finalement la viande consommée, elle est davantage dans les cantines, au restaurant, et moins dans les domiciles, hein, chez soi, parce que justement, vous venez de le dire, ça a augmenté l'inflation, donc on consomme beaucoup moins. Donc ça veut dire qu'on se rattrape un petit peu à l'extérieur, Lucille Schmitt. Oui, je pense qu'il y a aussi un élément culturel, c'est-à-dire qu'on sait très bien que la consommation de viande, elle a été boostée après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on assimile la viande à l'idée d'avoir un mode de vie à la croissance. Par exemple, on a envie que ses enfants mangent de la viande. Moi, j'avais été frappée de ce père de famille qui justement était dans la précarité et qui volait de la viande pour son fils au supermarché. Donc, il y a aussi quelque chose à changer sur qu'est-ce qu'apporte la protéine végétale par rapport à la protéine animale. On sait qu'aujourd'hui, il y a des menus végétariens qui ont été imposés dans les cantines. On sait que lorsqu'on est dans un restaurant d'entreprise ou des services publics, il y a des menus végétariens. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer en termes culturels. Après, quelquefois, les formules chocs comme celle de Sandrine Rousseau, elles ont le bienfait de créer du débat, de provoquer du débat, ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis je pense qu'elle, de son côté, elle poursuit aussi quelque chose contre le virilisme, parce que il y a évidemment l'idée qu'au fond, peut-être les mecs sont plus viandards. Je crois d'ailleurs que c'est plus ou moins avéré, même statistiquement. Mais je crois que le sujet maintenant, c'est d'engager quelque chose qui fasse qu'il n'y ait pas une guerre entre les uns et les autres, mais qu'on prenne conscience que décréter, lorsqu'on est on appartient à une CSP+, la possibilité de manger de la viande de qualité et une fois par semaine, c'est pas à la portée de tout le monde, comme vous venez de le dire. Et moi, je suis très attachée à ce lien entre la question sociale et la question écologique. Je pense que l'alimentation, c'est typiquement le sujet sur lequel ça se joue, et aussi sur l'agriculture. C'est-à-dire que si les agriculteurs réagissent aussi fortement, ou en tout cas leurs instances représentatives, c'est aussi parce qu'ils ont le sentiment d'être parfois des boucs émissaires. Après, j'aimerais qu'on différencie entre les agriculteurs, les éleveurs,
aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éleveurs de vaches laitières qui mettent la clé sous la porte et il y a de moins en moins de vaches laitières. On est attaché aussi au fait de conserver des vaches dans nos prés. Les prairies sont des puits de carbone. On a fait une étude à la Fabrique écologique sur ce sujet-là. Mais il faut pas imaginer qu'aujourd'hui, toute la viande qu'on consomme, c'est des belles vaches de l'Aubrac dans leurs prairies. Hein. Donc le sujet, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour réconcilier les belles images qu'on a et l'agriculture telle qu'elle fonctionne. Justement, on va aller en écouter dans quelques instants un paysan, comme il se définit lui-même, Benoît Biteau, député européen aussi, Europe Écologie Les Verts. Mais un petit chiffre tout d'abord, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, c'est un rapport qui date un petit peu, mais le secteur de l'élevage serait à l'origine de 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Un monde sans viande n'est pas demandé par les organismes internationaux, mais justement d'adopter des régimes alimentaires équilibrés, sains et durables. Selon vous, Flavien Neuville, devrait aller plus loin, devrait aller finalement plus loin dans les contraintes où finalement il faut simplement responsabiliser la population, comme vous êtes en train d'essayer peut-être certainement de le faire. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le secteur est émetteur de gaz à effet de serre, notamment de méthane. Moi, je crois beaucoup à la sensibilisation à l'information, notamment des plus jeunes, en fait. Et on voit bien que les lignes sont quand même en train de bouger. C'est-à-dire que, d'une façon générale, au-delà de l'alimentation, les comportements plus responsables montent en puissance. On voit, par exemple, je donne un exemple qui sort du débat qu'on a aujourd'hui sur l'alimentation, mais qui illustre parfaitement ce point. Quand on regarde le marché de la seconde main, il y a des secteurs sur lesquels le marché de l'occasion s'est beaucoup développé, comme le textile, par exemple, les vêtements d'occasion. Mais personne n'aurait dit, il y a 10 ans, qu'on allait pouvoir un jour acheter et vendre des vêtements d'occasion. Ça paraissait complètement fou. Oui. Et pourquoi on le fait? Pourquoi les jeunes le font? Pour des raisons économiques, bien sûr, parce que ça coûte moins cher. Mais aussi parce que ils se disent que l'industrie textile est polluante, etc. Et que donc les lignes sont en train de bouger. Donc moi, je crois beaucoup, effectivement, à l'information, à la sensibilisation. Plus après, qu'à l'interdiction. Après la difficulté qu'on a, si vous voulez, c'est qu'on peut en parler pendant des heures et des heures de façon très sympathique à Paris, en France, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à convaincre tous les pays du monde, si vous voulez. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que discuter avec les autres pays qui ont des modes de production ultra intensifs, ça paraît nécessaire, mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à les convaincre, notamment en Amérique du Sud. Rapidement, oui, Lucille Schmitt, parce que je voudrais donner la parole vous, mais je vous voyais rebondir, enfin en tout cas hocher la tête. La citation, moi j'en parlais, c'est pour les comportements. Après, il faut des politiques publiques, il faut les structurer, et la France, en matière de politique agricole commune, par exemple, s'est mise en travers du verdissement de la PAC. Donc il y a un vrai sujet sur le fait qu'il relève d'une responsabilité politique de transformer le modèle agricole en aidant les agriculteurs à se transformer, mais ça fait partie d'une responsabilité politique. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que dans les COP, à l'échelle internationale, aujourd'hui, la question agricole puisse devenir une question climatique. On va aller donc poser la question, comme promis, à Benoît Biteau, député Europe Écologie Les Verts, qui est également auteur de Paysans résistants. Bonjour Benoît Biteau. Merci de votre invitation. Merci à vous surtout. Que vous inspirent les débats que vous entendez dans ce studio? Lucille Schmitt a dit beaucoup de choses déjà, mais effectivement, moi, le mot qu'il faut peut-être retenir, c'est le discernement. C'est-à-dire que quand on parle d'élevage, il y a plusieurs formes d'élevage. Et il y a de l'élevage qui, effectivement, incontestablement participe à l'accélération du changement climatique, participe aussi à l'effondrement de la biodiversité, de notre santé. C'est l'élevage qui s'appuie sur un régime alimentaire basé sur le maïs, dont on connaît les désastres sur nos territoires, et notamment avec le sujet des mégabassines, la problématique de l'eau. 60% de l'eau qu'utilise l'agriculture aujourd'hui est dédiée à l'irrigation d'un maïs qui va nourrir des herbivores qui ne mangent plus d'herbe. Et comme le maïs est pauvre en protéines, il faut aussi déforester de l'autre côté de la frontière pouvoir importer du soja et compléter la ration. Donc cet élevage-là, effectivement, c'est un véritable désastre. Et puis, on a l'élevage, celui qui s'appuie sur des systèmes herbagers, où là, et s'il l'a dit, il montre très clairement que ces élevages-là, non seulement ne participent pas à l'accélération du changement climatique, mais participent à l'atténuation. Et sur ma ferme, j'ai fait faire une évaluation très sérieuse de mon impact climatique. Et même si je suis éleveur, même si j'ai des animaux qui rotent et qui pètent, parce que les espaces sur lesquels évoluent mes herbivores, qui ne mangent que le régime alimentaire, c'est exclusivement de l'herbe, 365 jours par an, ce type d'élevage-là participe à l'atténuation du...
participe à l'atténuation de l'effondrement de la biodiversité, voire même la favorise parce qu'on entretient des espaces Benoît Bitteau, malheureusement, de qualité. On vous voilà. entend très mal, on espère vous récupérer dans quelques instants, oui, pour notre deuxième débat qui est finalement sur la même chose, hein, l'impact, comment réduire l'impact climatique, mais cette fois, on parlera de l'avion et on espère vous retrouver dans quelques instants, puisqu'on s'accroche donc sur ce sondage CSA, 4 Français sur 10 sont favorables à la proposition d'un quota de 4 vols en avion par personne dans une vie. On en débat dans quelques instants. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. 12h47, merci de nous rejoindre sur Sud Radio. On poursuit notre débat. Avion, viande, les Français doivent-ils changer leurs habitudes pour réduire leur impact sur l'environnement? On écoutait à l'instant, hein. La liaison était un petit peu moyenne, mais on entendait un petit peu son propos quand même. Benoît Bitteau, député européen écologie Les Verts, qui est aussi auteur de Paysans résistants. Il est éleveur lui-même et il nous expliquait un petit peu sa manière vertueuse, hein, de faire de l'agriculture, de l'élevage. Lucille Schmitt, c'est une des solutions en tout cas, selon vous. Oui, ce que je trouvais intéressant dans ce que disait Benoît Bitteau, c'était le fait qu'au fond, l'élevage est aussi partie prenante de la transformation de notre modèle agricole au sens large, ce qu'on appelle l'agroécologie, parce que bon, il y a la question des animaux eux-mêmes, mais il y a la façon dont on respecte le sol autour de ce modèle agroécologique. Vous savez, il faudra utiliser beaucoup moins d'engrais, il faudra utiliser beaucoup moins de pesticides, d'herbicides, etc. Et au fond, la présence de ces animaux, l'élevage extensif, c'est une manière de respecter le sol, c'est une manière de produire des engrais naturels. Et puis, d'une certaine façon, c'est une manière de réinstaller l'idée qu'il faudra davantage de force de travail à la campagne. C'est-à-dire qu'on ne le dit pas assez parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Mais si on veut faire l'agroécologie, il faudra beaucoup plus de monde dans la ruralité, dans la campagne. Il faudra que ceux qui écrivent « moi paysan » ne soient plus perçus comme des personnes minoritaires. Donc il faut qu'on transforme aussi notre vision à la fois alimentaire et de l'agriculture. Benoît Bitteau, député européen Europe Écologie Les Verts, on vous a récupéré. Voilà, la qualité est meilleure. On vous écoute. Je suis désolé pour le souci technique. Non, mais c'est pas grave, on vous entend mieux. Ça, c'est vrai que j'étais en train d'expliquer que je parlais de discernement, que finalement l'élevage qu'on qualifie d'industriel, et malheureusement il existe, même si certains revendiquent qu'il n'existe pas, il existe même en France. C'est un élevage qui coche absolument toutes les cases de ce qu'il faudrait plus cocher, c'est-à-dire la destruction du climat, la destruction de la biodiversité, la destruction de notre santé, parce qu'en plus, effectivement, quand on nourrit des herbivores avec autre chose que de l'herbe et qu'on les nourrit avec du maïs et du soja, c'est pas bon pour notre santé. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et si on veut conduire des projets écologiques, il faudra maintenir des activités d'élevage, mais des activités d'élevage qui sont basées sur des espaces remarquables, qui en plus séquestrent des gaz à effet de serre, protègent la biodiversité, protègent notre santé. C'est pour ça que quand je suis devenu moi-même agriculteur sur une ferme qui était exclusivement céréalière, j'ai eu besoin de ces activités d'élevage pour conduire un projet écologique. Et puis, je voulais également revenir sur le rôle des politiques publiques. Lucille Schmitt a complètement raison de dire que les politiques publiques vont être déterminantes, et je suis député européen. Oui. Et quand je vois les orientations prises par la PAC, qu'on appelle nouvelle et qui n'a rien de nouveau, puisqu'en vérité, cette PAC, depuis 30 ans, ne change rien fondamentalement, eh bien, on continue, c'est ce que j'appelle la triple peine, c'est-à-dire qu'on continue de perfuser économiquement avec la plus grosse enveloppe de l'Union européenne, hein, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne, une agriculture qui utilise massivement des pesticides, massivement des engrais de synthèse, qui a des pratiques d'élevage absolument désastreuses pour le climat et la biodiversité. On continue de devoir porter des politiques publiques curatives extrêmement coûteuses pour réparer les dégâts de cette agriculture qui est perfusée par cette enveloppe importante, cette enveloppe publique importante de l'Union européenne. Et le troisième volet de ma triple peine, que quand on a dépensé tout cet argent public pour perfuser une agriculture qu'il faudrait faire disparaître si on veut être au rendez-vous de l'histoire sur le climat, la biodiversité et la santé, qu'on a utilisé autant d'argent public pour porter des solutions curatives qui ne règlent rien, on aura toujours besoin de ces solutions curatives pour réparer les dégâts de cette agriculture-là si on s'attaque pas aux causes, eh bien on n'a plus d'argent public pour soutenir la transition. Et vous évoquiez... je finis là-dessus. Vous évoquiez la difficulté qu'ont les ménages les plus modestes pour accéder à des produits de qualité. Eh bien, je vous assure que si demain, on conduit des politiques publiques qui rémunèrent, et le mot est important, qui rémunèrent les agriculteurs qui font bien, qui prennent soin du climat, de la biodiversité et de notre santé, ils pourront mettre en marché des produits de qualité accessibles à tous les porte-monnaies.
Enfin, franchement, dans quel monde vivons-nous à imaginer que seuls ceux qui ont des revenus confortables peuvent se nourrir décemment, dignement, et œuvrer en direction de l'atténuation du changement climatique et de la préservation de la biodiversité, et ceux qui ont des revenus plus modestes doivent manger de la viande qui contient des pesticides, manger des végétaux qui contiennent des pesticides ou des engrais de synthèse, boire de l'eau souillée, et de la nourriture qui est pas bonne pour leur santé. Enfin, ce monde-là, il faut qu'on arrête. Et en vérité, on peut allumer un cercle vertueux si on change radicalement ses politiques publiques. Donc, en vérité, le chemin, il est assez simple. Il est assez simple à suivre. Il faut juste un peu de volonté et d'audace politique pour le modifier. Merci en tout cas, Benoît Biteau, hein, député Europe Écologie Les Verts, auteur de Paysans résistants. Flavien Neuvy, quand vous écoutez, c'est vrai que c'était très intéressant ce que nous disait Benoît Biteau. Déjà, on nage en pleine absurdie, manifestement, du côté de la PAC. Mais enfin, vous y croyez à son optimisme, ce cercle vertueux, il est si facile à mettre en place? Non, bah, là, j'irai sur un terrain politique, et je ne veux pas aller sur un terrain politique, sur cette discussion-là. Ce que je sais simplement, c'est que quand on regarde les chiffres, et ça a été dit tout à l'heure, on importe beaucoup de produits alimentaires de l'étranger. Et que donc, tout ce qui viendra réduire notre production au nom, effectivement, des arguments que je viens d'entendre et qui sont tout à fait recevables d'un point de vue intellectuel, ça veut dire que ce sera compensé par des importations supplémentaires avec des produits qui viennent à l'autre bout du monde et qui ne sont pas toujours produits de la même façon qu'en France. Et on a quand même une alimentation de qualité et saine. Allez-y, Lucille, avant qu'on consacre les quelques dernières minutes à l'avion aussi, parce qu'il y a eu Moi, j'aime beaucoup les questions de commerce extérieur, mais je pense que c'est pas mécanique. C'est-à-dire que le sujet, c'est que on va pas forcément importer ce qu'on consommera en moins. Le sujet, c'est de restructurer la demande et l'offre. C'est-à-dire que voilà, il faut produire davantage de viande de qualité. Et puis, effectivement, il y a un truc sur le calendrier. C'est pour ça que les politiques publiques sont si importantes. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles accélèrent au fond le changement des comportements qu'on constate aujourd'hui, mais qui ne correspond pas à la temporalité de l'urgence écologique. Merci en tout cas à tous les deux sur ce thème. On va C'est un petit peu le pendant, hein. Les transports, le bâtiment, la viande, l'avion en tout cas, selon une étude de l'Institut CSA, 4 Français sur 10 sont favorables donc à la proposition d'un quota de 4 vols en avion par personne dans une vie, hein. C'est un concept imaginé par l'ingénieur Jean-Marc Jancovici. Ne plus prendre l'avion, Fabien Neuvy, vous êtes étonné déjà par ce sondage, 4 Français sur 10, le flight shaming a porté ses fruits, selon vous ? Écoutez, non, pas tellement surpris, parce qu'il y a une autre étude qui a été publiée par la Fondation Jean Jaurès, qui montre qu'il y a un Français sur 3 qui ne prend jamais l'avion, et il y en a un autre sur 3 qui le prend très, très exceptionnellement. Donc on peut imaginer que celui qui ne prend jamais l'avion, il est très favorable à cette idée de 4 voyages dans une vie, puisqu'il n'est pas concerné directement, et que ceux qui le prennent très exceptionnellement, ils sont dans les 4 voyages dans une vie, donc eux aussi, ils y sont favorables. Donc non, c'est pas très surprenant. Après, honnêtement, c'est pas l'enjeu pour l'impact climatique. Si on met ça en place en France, c'est tout à fait anecdotique. Je rappelle juste que le trafic aérien mondial, c'est plus de 4 milliards de passagers dans le monde, qu'en France, c'est un peu moins de 200 millions, et que quand on regarde les perspectives à horizon 20 ans, la Chine va avoir besoin de 8000 avions supplémentaires pour répondre à son trafic intérieur. Et quand on regarde le salon du Bourget qui a eu lieu le mois dernier, les compagnies aériennes indiennes, Indigo et Air India, ont commandé 1000 pareil. Donc si vous voulez, on pourra dire 4 en France, on pourra même interdire le trafic aérien en France. Objectivement, l'impact sur les émissions de CO2 du trafic aérien resteront tout à fait marginal. Et c'est vrai que les bénéfices augmentent, même Air France fait des bénéfices. Maintenant, les avions sont en permanence pleins, il faut bien le dire. Lucille Schmitt, une réflexion, je vous voyais sourire. Oui, moi je pense qu'effectivement, ce genre d'études montre quand même une évolution de l'opinion publique. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que si on veut entrer dans le concret, le sujet c'est de rééquilibrer le prix des billets d'avion par rapport billet de train, parce que aujourd'hui le train reste beaucoup trop cher par rapport à l'avion. Par exemple, lorsque vous êtes étudiant, vous voulez prendre, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes obligé, par exemple, vous êtes en Belgique, vous voulez aller dans le sud de la France, vous prenez l'avion, vous prenez pas le train. Donc il y a un vrai sujet sur cette question. Et donc la question, la question sociale et la question écologique, il faut encore une fois les lier. Et ça implique évidemment, encore une fois, moi j'insiste toujours là-dessus, un rôle de la puissance publique, un rôle des politiques publiques et une question de choix. En 10 secondes, c'est très intéressant parce que ça reboucle avec un peu le début de notre discussion tout à l'heure. Rappelons que le développement des compagnies aériennes low cost à bas coût a permis de démocratiser
l'accès au voyage aérien. Et ça a permis à qui de voyager ? Aux personnes qui, justement, n'avaient pas la possibilité de voyager. Mmh. Et donc, si demain, effectivement, on rééquilibre, comme vous le dites, les prix du billet d'avion, pourquoi pas, à la limite ? Qui on va pénaliser ? En fait, les classes moyennes qui utilisent l'avion pour voyager, ceux qui ont beaucoup d'argent, croyez-moi, le prix du billet d'avion, quel qu'il soit, continueront à prendre l'avion. Donc, la question, c'est toujours la même, c'est qui on impacte en priorité ? Non, moi je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça. Je pense que le sujet, c'est aussi que si le train coûte moins cher, dans ce cas-là, on aura une vision du voyage différente. Vous savez, le truc, c'est encore une fois l'imaginaire. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait changer ce qui est désirable, en fait ? Est-ce que c'est de faire un grand voyage en train ou d'aller faire une exploration à pied ? Voilà, il y a un sujet sur, au fond, ce qui est désirable. Si 4 Français sur 10 sont prêts à considérer qu'ils prendront pas l'avion, qu'ils le prendront très peu dans leur vie, ça montre aussi qu'il y a quelque chose qui se transforme en ce qui concerne l'imaginaire. Après, on sait très bien que le sujet du voyage, le sujet de connaître au fond ce qui ne fait pas partie de son petit univers, c'est important aussi lorsqu'on est écologiste. Parce que, c'est stimulant, au fond, intellectuellement. Moi j'avais envie de parler comme écologiste et j'adore la stimulation intellectuelle. 80% des émissions du secteur proviennent des vols de plus de 1500 km pour lesquels il n'existe pas d'alternative. Il y a quelque chose qui fonctionne autour de la contrainte et la liberté et comment est-ce que je choisis d'utiliser ma liberté ? Est-ce que je choisirais d'utiliser ma liberté pour ne plus prendre l'avion et prendre le train ? Peut-être que c'est ça qu'il faut aussi affirmer clairement. 0826 300 300, on est en direct avec Philippe. Bonjour Philippe. Oui, vous nous appelez du Gers, Stéphanie. Vous vouliez réagir, bonjour, soyez le bienvenu. Oui, très rapidement sur cette histoire de 40% des personnes qui disent qu'il faut faire seulement 4 vols dans leur vie. Rappeler que la France, les émissions à effet de serre que produit la France, c'est 1% du monde, que nous sommes actuellement en stagnation au niveau économique, alors que la Chine, l'Inde, le Brésil sont en croissance de 6%. Et il me semble que nous sommes un peu hors sol avec cette histoire de débat, même si, effectivement, le sujet est important. Et je voudrais juste dire autre chose aussi, pour rajouter un petit quelque chose sur le sujet précédent, et dire que, actuellement, dans notre agriculture, l'Europe et la politique européenne conduit à dire que nous avons trop de vaches en France pour importer des vaches via le Mercosur d'Amérique du Sud qui seront élevées dans des conditions déplorables et qu'on veut nous faire consommer. Et je trouve que la politique européenne ne nous aide pas dans ce sens-là. Voilà, merci. C'est les deux choses que je voulais dire. Merci. Je sens que Lucille Schmitt me lève des gros yeux parce qu'elle voulait réagir également. Vous aussi, mais alors, désolé, nous sommes complètement en retard dans quelques instants. En tout cas, merci à nos invités, Lucille Schmitt, Flavien Neuvy. Je vous promets qu'on vous réinvitera pour réagir. C'est promis. Désolé, c'était le mot de la fin à l'auditeur. Êtes-vous plutôt maison ou appartement ? Vous nous écoutez peut-être dans votre pavillon. Est-ce que vous avez hésité à faire ce choix ? On en parle dans quelques instants. Notre invité est Clément Pétraud. Il vient de publier Une maison sinon rien. Pourquoi l'avenir est au pavillon ? Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. Merci Mathieu Bélissario. Et Félix Mathieu nous a rejoint, c'était il y a 20 ans, le 1er août 2003, la mort de Marie Trintignant. Madame, Monsieur, bonsoir. Rapatriée en France en état de mort cérébrale, Marie Trintignant s'est éteinte ce matin. Depuis, les hommages se succèdent, l'émotion et la tristesse dans le cœur de chacun. Madame Marie Trintignant est décédée ce matin des suites d'un œdème cérébral. Le chanteur Bertrand Cantat, son compagnon, a avoué avoir giflé l'actrice samedi soir au cours d'une dispute après une soirée arrosée. Selon lui, elle aurait perdu connaissance en tombant, un accident en quelque sorte, une version que récuse la famille de l'actrice. Les traumatismes sont trop nettement affirmés pour que ça puisse résulter d'une chute accidentelle sur une moquette. Le drame avait marqué la France durant l'été 2003, on le voit dans cette archive INAL, victime, une actrice en plein tournage en Lituanie pour un téléfilm sur la romancière Colette, tournage dirigé par sa mère Nadine Trintignant et le coupable Bertrand Cantat, leader et chanteur du groupe Noir Désir au fait de sa gloire. Il l'avait suivi à Vilnius où il s'était disputé à propos d'un échange de SMS entre elle et son mari dont elle était séparée, fait divers qu'on ne qualifiait pas encore de féminicide. Il y a 20 ans, le rapport d'autopsie en tout cas parlera plus tard de 19 coups dont certains lui avaient brisé les os du visage. Il l'avait couchée sans appeler les secours avant de joindre des proches de l'actrice pour leur raconter la scène au petit matin. 6 à 7 heures plus tard, c'est le frère de Marie Trintignant qui avait prévenu les secours. L'actrice s'éteint donc ce 1er août 2003. Quelques mois plus tôt, elle avait enregistré une chanson avec Thomas Fersen. C'est une nuit conventionnelle.
Un chien aboie, une chouette ulule. Les prisonniers dans leur cellule rêvent de creuser un tunnel. Bertrand Cantat sera condamné par la justice lituanienne à 8 ans de prison en 2004. Transféré dans une prison française, il obtient une libération conditionnelle 4 ans plus tard, en 2008. Décision critiquée par les proches de l'actrice. Au-delà de ces cas, l'affaire suscitera une profonde introspection en France. Les titres de presse ou les conversations en ville évoquent à l'époque des notions de crimes passionnels, de violences mues par l'amour, un peu comme si c'était des circonstances atténuantes. Interrogation sociétale aussi bien des années plus tard sur le fameux débat « séparer l'homme privé de l'artiste » quand le retour sur scène de Bertrand Cantat et ses Unes des Inrecuptibles avait provoqué une levée de boucliers et même au-delà des seuls rangs féministes. Merci Félix Mathieu. Et restez avec nous dans quelques instants. On parle du pavillon, hein, la maison individuelle chouchou des Français. 80% la considèrent comme le logement idéal et pourtant ce modèle semble condamné à bien des égards. On en parle dans quelques instants avec mon invité Clément Pétraud. Il vient de publier Une maison sinon rien, pourquoi l'avenir est au pavillon. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. 13h08 en direct sur Sud Radio, merci de nous rejoindre. Êtes-vous plutôt maison ou appartement? Vous nous écoutez peut-être, chers auditeurs, depuis votre pavillon. Vous avez hésité avant de faire ce choix. Cela a toujours été au contraire une évidence d'accéder à la propriété individuelle. Notre invité est Clément Pétraud. Il vient de publier Une maison sinon rien, pourquoi l'avenir est au pavillon. Bonjour Clément Pétraud. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes rédacteur en chef aussi des pages Société au Point. Vous publiez donc ce livre. Tout d'abord, pour bien savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'exactement un pavillon? Parce qu'on parle de maison, de villa, de... Voilà. C'est quoi la différence? C'est une bonne question. En fait, il n'y a pas de définition exacte du pavillon. C'est un terme d'usage qui désigne, on va dire, une maison. Historiquement, c'est plutôt une maison un peu légère, avec des structures en bois qu'on peut démonter. C'est un pavillon de chasse. C'était aussi les structures de l'armée romaine. En fait, ça désigne une maison un petit peu fragile, temporaire. C'est une maison populaire. Et en fait, le terme, c'est vraiment... Ça désigne la maison, mais avec son caractère social, c'est la maison du peuple, c'est la maison populaire. Il y a un aspect, voilà, un aspect sociologique, il y a une dimension. Ou évidemment une villa qui comprendrait quoi? Une piscine? La villa, historiquement, c'est la villa romaine, donc c'est plutôt l'exploitation agricole, avec, c'est presque une entreprise, c'est une production, il y a des champs, on stocke, il y a aussi la magnificence du décor, les mosaïques, donc c'est vraiment, c'est devenu l'habitat de l'aristocratie, à l'inverse, la villa, alors que le pavillon, effectivement, beaucoup plus populaire. Alors, dans votre livre, Clément, vous-même, vous dites, j'habite un pavillon, pourtant je travaille à Paris, sans trop savoir pourquoi, j'en ai acheté une en mai 2019, je ne sais d'ailleurs toujours pas pourquoi, mais je ne reviendrai pas en arrière 3 ans plus tard. Est-ce que vous avez compris maintenant ou pas? Toujours pas. Alors déjà, petite précision, ce n'est pas vraiment un pavillon. C'est ce qui a été un pavillon au 19e siècle. Voilà. Ça a été considéré comme un pavillon. Aujourd'hui, on appellerait ça plutôt une maison. Mm-hmm. Mais est-ce que je sais pourquoi? Non, moi j'avais très envie d'habiter une maison. Je pense que c'est quelque chose de très viscéral. Ça fait partie des envies qui répondent à des imaginaires, le besoin d'extérieur. Mais comme tout, je suis pas le seul manifestement. Mais non, je suis comme tout le monde. Je me suis retrouvé avec des envies de jardin, des envies de jardinage, des envies de bricolage. Avant même le Covid. Oui, avant le Covid. Oui, avant le Covid. Mais le Covid m'a montré à quel point j'avais eu une intuition qui m'a semblé assez bonne. Ça a été tournant, justement, le Covid. Fondamental, oui. Fondamental. On a vu d'ailleurs tous les agents immobiliers, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période, toutes les agences immobilières étaient prises d'assaut, tout le monde voulait un jardin, tout le monde voulait une maison. Moi, dans mon coin, dans l'Orne, il y avait des maisons, il y avait des agences immobilières qui avaient des stocks de 300 biens avant le Covid. On pouvait négocier des biens à 30% à la baisse. Enfin, c'était quand même un marché qui était un petit peu périclitant. Et est arrivé le Covid, la fin du premier confinement. Et au début du deuxième confinement, il n'y avait quasiment plus une maison à vendre. Les prix avaient pris 20%. Les biens restaient 15 jours sur le marché. Enfin, il y a eu un retournement absolu de marché, et ce qui montre bien que, on va dire, le corps social réagit quand il se passe quelque chose. C'est-à-dire que les gens finalement s'adaptent, ils quittent les villes, et les villes qui sont
d'ailleurs en crise, enfin les métropoles qui ont quand même qui traversent des moments de crise assez compliqués, et les gens décident quand c'est la crise dans la ville de rejoindre la campagne, qui est considérée comme un milieu plus simple, plus facile à vivre, plus sûr aussi et plus en lien avec la nature. Alors il existe, vous dites dans votre livre, 16 millions de pavillons, constante hausse hein, au fil des décennies. 80% des Français considèrent aujourd'hui la maison individuelle comme le logement idéal, et pourtant ce modèle semble quand même condamné. Hein. Oui, alors c'est un modèle qui est en crise, on va dire pour des raisons objectivement tout à fait justifiables et pour des raisons plus discutables. Les raisons qui sont justifiables, c'est que c'est un modèle qui a beaucoup contribué à l'étalement urbain. L'étalement urbain, comme vous savez, c'est un phénomène qui grignote des terres agricoles, qui rend, on va dire, la ville toujours plus vaste, qui rend dépendant aussi à la voiture et donc du coup aux énergies fossiles, et qui du coup fragilise aussi les gens qui vont avoir une équation, un modèle économique personnel, d'économie domestique, où tout ce qui est carburant va prendre une place énorme. Et donc, du coup, c'est un modèle qui a des fragilités, qui a un petit peu abîmé des paysages aussi, il faut l'admettre, mais qui a aussi su rendre son service d'habitat réellement populaire, beaucoup moins cher que les appartements, beaucoup moins cher que les appartements en ville, et qui, du coup, permet quand même d'offrir un débouché heureux, on va dire, à des classes populaires. On en parlera justement de l'historique, parce que ça fait écho à ce que vous dites. Il y a eu cette charge politique, évidemment, dont tout le monde se souvient peut-être, hein, mais la déclaration d'Emmanuel Wargon en octobre 2021, la ministre de l'écologie de l'époque, la maison individuelle est un non-sens écologique. C'est ce qu'elle disait, ça a fait réagir. Elle s'est fait un petit peu recadrer, d'ailleurs, elle s'en est expliquée un petit peu après. C'est une faute politique pour vous, justement, qui avez étudié la question. En fait, c'est terriblement ambivalent, c'est-à-dire que fondamentalement, elle n'a pas complètement tort de dire que oui, écologiquement, c'est quelque chose qui peut être un peu problématique. Mais sur le plan politique, c'est une faute parce qu'elle s'en prend à l'habitat pavillonnaire et elle n'offre aucune perspective derrière. Donc ça veut dire, en gros, c'est expliquer aux classes populaires que globalement, elles sont dans l'erreur, que les choix qu'on leur a poussé à faire pendant des années sont des choix qui sont aujourd'hui caduques, nuls et non avenus et qui finalement sont dépourvus de bon sens, alors que les gens ont quand même investi des années et toutes leurs économies personnelles là-dedans. Et elle n'offre pas, il n'y a pas de modèle alternatif heureux aux pavillonnaires, pour l'instant, vendus en France, enfin vendus, on va dire promus par les pouvoirs publics, c'est-à-dire que pour l'instant, les grands ensembles ne font pas vraiment, ne séduisent pas. Donc, pour le moment, le rêve pavillonnaire reste extrêmement élevé, et c'est une constante depuis les années 40, c'est-à-dire qu'au lendemain de la guerre, on a eu les premières études, les premiers sondages qui sont arrivés en France, un peu professionnels. Et le premier, c'était un sondage qui avait été fait par l'INED. Oui. L'INED, qui est l'Institut national d'études, je crois, démographiques, si je ne me trompe absolument, pas. Et l'INED avait demandé aux Français, qui le pays était quand même un peu en ruine après la Deuxième Guerre, quel était leur habitat idéal. Et déjà, en fait, on était à quelque chose comme 80%. Oui. De désir de maison. Et aujourd'hui, vous faites le même sondage, la même étude, et vous avez les mêmes constantes. Même c'est quelque chose de très profond dans la société française, très ancré dans la société française. Ce que vous venez de dire au sujet de cette déclaration d'Emmanuel Wargon, dans le livre, vous l'expliquez quand même. Vous pointez du doigt une forme de condescendance, pour ne pas dire de mépris des élites envers le pavillon, et ça, c'est oui, depuis... On l'a vu dans la presse, qui a fait beaucoup de une et de numéros en disant la France moche, c'est finalement la France pavillonnaire, parce que avec le pavillon va aussi le mode de vie. Et le mode de vie, c'est effectivement les supermarchés, les grandes surfaces, les zones artisanales, les ronds-points. Enfin, c'est toute cette France qui s'est un peu réveillée au moment de la France des Gilets jaunes. Donc, oui, effectivement, il y a une forme de mépris social qui est quand même assez ancrée, qui trouve son origine dans plusieurs sources. Mais on voit que notamment. Faut le dire comme ça. La gauche a quand même, c'est un petit peu fâché avec les classes pavillonnaires, notamment. Elle a perdu ce combat d'ailleurs, qui a favorisé clairement la droite dure. Totalement perdu ce combat. Et aujourd'hui, on voit bien que le seul qui s'intéresse à ça, c'est Ruffin, c'est François Ruffin, qui a compris qu'en gros, toute une partie des classes moyennes qui s'étaient un petit peu élevées et qui s'étaient un petit peu extraites de leur origine populaire était dans le pavillonnaire aujourd'hui, mais que la gauche ne parlait absolument pas à ces catégories-là. Si vous voulez, quand vous avez une gauche qui dit le barbecue,
barbecue, c'est la reproduction du patriarcat, que la voiture... C'est pas toute la gauche, mais tant qu'elle fait partie de cette gauche-là et que personne ne semble vouloir, en tout cas, clarifier les choses, elle en fait partie. Alors, donc, pourtant, vous avez des témoignages dans votre livre, pardonnez-moi de vous couper, j'ai en tête Samia qui explique voilà, qu'elle était plutôt destinée à se retrouver voilà, dans ces ensembles, ça fait écho beaucoup à l'actualité, évidemment, dans ces cités, ces fameuses cités, et puis finalement, ses parents ont tenu à s'acheter un pavillon, et elle décrit à la fois une prison, mais à la fois quelque chose qui l'a totalement émancipée, sinon elle aurait été happée par le groupe, dit-elle. Il y a une ambivalence assez géniale dans son histoire, c'est-à-dire qu'elle raconte, mais comme des milliers de Français, comment le pavillon a permis de s'extraire d'un milieu qui devenait un peu toxique, c'est-à-dire qu'on avait des quartiers qui étaient en voie de ghettoisation assez nettement, et comment ses parents ont fait le choix de lui dire « nous vivrons, nous sommes Français, nous ne retournerons pas au pays, il n'y aura pas de retour possible, envisagé, de maison au bled ou quoi que ce soit, et donc nous allons nous installer ici, nous allons nous ancrer ici ». Ils se sont ancrés, effectivement, dans une campagne périurbaine, pas très loin de Creil, me semble-t-il. Oui. Et elle raconte aussi comment elle a découvert ce mode de vie pavillonnaire qui, pour elle, était une forme de retour en arrière. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas accès à la bibliothèque publique, pas accès au transport public, une forme de solitude. Et que finalement, c'était assez dur pour elle de passer d'un mode de vie urbain qu'elle considérait comme étant émancipateur et qui lui permettait d'avoir un accès à la culture, qui pour elle quelque chose de très important, à un monde qui était pour elle beaucoup plus restreint. Mais paradoxalement, c'est ce qui l'a sauvée. Et donc, elle entretient un rapport assez ambivalent au pavillon en disant « j'aurais pas eu ça, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, mais pour rien au monde, je n'y retournerai ». Alors, quelques mots quand même sur l'origine, parce qu'on écoute ce désamour, voilà, ce côté pavillonarisation. affreusement compliqué à dire. Pourtant, à l'origine, ce modèle de maison individuelle partait de motivations plutôt philanthropique avec le courant dit hygiéniste du 19e siècle. C'est un petit peu touffu à dire, mais c'est une belle histoire géniale. C'est-à-dire que l'intention, parce que le pavillonnaire est né d'une intention philanthropique de progrès pour le prolétariat. Si on le réinscrit dans la moitié du 19e siècle, l'idée c'est quand même de dire il va falloir accompagner l'industrialisation de la France, la révolution industrielle, il va falloir fidéliser les travailleurs, et aussi pour les fidéliser, il va falloir améliorer leurs conditions de vie. Et donc pour améliorer leurs conditions de vie, beaucoup de patrons philanthropiques à l'époque se mettent autour de la table et réfléchissent à la manière dont ils vont pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Et on en arrive assez vite à la conclusion qu'il faut leur offrir évidemment un habitat, mais ça va aussi avec des systèmes de mutuelles, ça va aussi avec des systèmes d'école. Enfin, il y a toute la prise en charge de l'individu qui est pensée et qui est une prise en charge collective. Et on va leur créer, on va arriver assez vite sur la forme de la maison. Les premières expériences sont à Mulhouse. Il y a le carré mulhousien qui est une histoire absolument géniale où on voit finalement, on crée une espèce de micro-société qui est faite de petites maisons et auxquelles ont accès les ouvriers. Et ces ouvriers ont en plus accès à la propriété. Et en fait, c'est vraiment les deux mamelles, on va dire, de la classe populaire telle qu'elle a été pensée fin 19e siècle. C'est en gros l'habitat individuel, parce qu'il faut sauver la morale, parce que c'est important de soustraire l'individu du collectif pour pouvoir lui permettre de, on va dire, faire prospérer sa famille. C'est pas le temps des tours, c'est sûr. Non, pas vraiment. C'est vraiment... Et puis, il y a toujours avec un jardin, parce que l'idée du jardin, c'est de pouvoir être en autosuffisance, pouvoir soi-même s'alimenter avec ce qu'on produit, avec cette idée déjà un peu hygiéniste et un peu morale que le jardinage éloigne du bistrot et de l'alcool, et qu'en fait, pour ne pas finir alcoolique, vaut mieux cultiver un jardin. Et c'est une pensée qu'on trouve encore très ancrée aujourd'hui. Donc il y a tout ce mouvement-là. Et puis on arrive aussi à l'idée que la propriété, finalement, c'est une manière de partager les richesses. Laisser finalement des ouvriers se constituer un capital par l'achat de leur maison, c'est une manière de partager la richesse. Et donc tout ça s'inscrit dans un projet très philanthropique, et on en arrive à l'idée qui est très très ancrée dans la société française, que finalement les classes populaires, elles ont des débouchés, elles ont des perspectives d'accès au capital qui est fait par la maison individuelle, qui révèle à la fois leur statut social et leur capital économique. Sauf qu'après-guerre, alors que les Français préfèrent toujours en majorité les maisons, les politiques publiques, elles, privilégient le logement collectif. C'était une faute ?
Oui et non, il y avait une urgence. Il y avait une double urgence, c'est que la France était quand même en mauvais état. Le bâti, enfin le logement français, il y avait beaucoup de Français qui étaient très très mal logés. C'est-à-dire qu'on était extrêmement en retard par rapport aux autres pays européens qui, eux, avaient continué à construire entre les deux guerres, ce qui n'a pas été notre cas. Et ça n'a pas été notre cas, car les loyers étaient bloqués en France. Et donc, le logement n'était pas un produit rentable pour des investisseurs. Et en fait, le parc de logements et d'habitations en France s'est dégradé. Et donc, on s'est retrouvé au sortir de la guerre à avoir une double crise, c'est-à-dire la crise de 20 ans, 25 ans de blocage de loyers et finalement d'appauvrissement du parc de logements, qui a été fait par des mesures économiques qui n'étaient pas adaptées, et puis d'autre part, les destructions qui étaient liées à la guerre. Donc, on s'est retrouvé avec une population qui était mal logée, qui était en surpopulation dans la plupart des habitations qui étaient extrêmement vétustes, avec une promiscuité très forte, une hygiène déplorable, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de... Donc, il fallait absolument reconstruire le pays avec des standards élevés. Donc, oui, on va dire du point de vue rationnel et la décision de l'urgence, faire des grands ensembles, c'était une bonne idée. Sauf que ça a été mal fait, qu'on a un peu délaissé la maison individuelle pour des raisons idéologiques à ce moment-là, et que très vite, dès qu'ils ont pu s'en détourner, eh bien ceux qui habitaient les grands ensembles en sont partis. C'est-à-dire que l'âge d'or des grands ensembles, ça a duré 5 ans, 10 ans à tout casser. Et aujourd'hui, on en paye encore les conséquences. C'est-à-dire qu'on a, les quartiers qui se sont souvent ghettoisés, les gens qui vivent à l'intérieur n'y sont pas spécialement heureux, donc on voit bien que l'architecture n'est pas toujours capable de rendre les gens heureux, contrairement à ce que prétendent beaucoup d'architectes. Donc il y a eu des échecs. Et en fait, le pavillonnaire est revenu à la faveur de l'échec des grands ensembles. Mais c'est toujours ce système de balancier, on voit depuis, depuis la guerre. C'est-à-dire que quand on échoue sur le collectif, on revient sur l'individuel. Et puis il y avait de l'idéologie aussi, tout simplement. Le Parti communiste était très présent dans le ministère de la Reconstruction, qui était un ministère tout puissant au sortir de la guerre. Et le Parti communiste considérait que un bon ouvrier, c'est un ouvrier locataire qui a du temps pour militer, qui a du temps pour faire la révolution. Et que du coup, c'est pas la peine de le laisser s'embourgeoiser et aller acheter des maisons individuelles pour continuer à vivre selon un mode de vie un peu trop catholique. Alors, quid de l'avenir? Aujourd'hui, on parle de crise du logement neuf. Hein, de juin 2022 à mai 2023, les permis de construire et les mises en chantier enregistrent respectivement moins 18 et moins 11% par rapport aux 12 mois précédents. C'est quoi? La faute à la loi, notamment? Oui, alors c'est, faut pas accabler uniquement la loi. Il y a déjà une conjoncture. La guerre en Ukraine a fait flamber les prix des matériaux. On voit qu'on a de plus en plus de mal à recruter des gens pour des métiers difficiles et des métiers pénibles. Et le bâtiment, ça fait partie des métiers difficiles et pénibles. Donc tout ça fait augmenter le prix de la mise en œuvre du logement. Il y a aussi l'augmentation des standards. On voit qu'il y a des normes environnementales qui sont plus exigeantes. Il y a la raréfaction du foncier. Aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver du foncier disponible pour construire. Et la loi organise cette raréfaction. C'est-à-dire que quand on a les lois où on prévoit zéro artificialisation nette, un mot très compliqué encore à dire, ça veut dire qu'il va y avoir une raréfaction des terres disponibles pour construire des maisons. Donc tout ça va concourir à faire augmenter les prix de la construction, du logement, des maisons. Et en plus, les banques qui ne veulent plus prêter. Et oui. Donc on se retrouve avec, conjoncturellement, c'est extrêmement dur. Ça veut pas dire, si ça dure 10 ans, ça va être très problématique. Si c'est réglé d'ici quelques années, peut-être que on n'en aura pas des conséquences sociales et politiques à payer. Dans 10 ans. Trop lourd. Mais oui, mais faudra bien, faut observer. Merci Clément Pétraud, rédacteur en chef, Société au Point, auteur d'une maison, sinon rien, pourquoi l'avenir est au pavillon, aux éditions Stock. Merci d'avoir été mon invité. Merci dans quelques instants. C'est Jacques Pessis à suivre en direct sur Sud Radio.